Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, bonjour, monsieur. Oh, Marc, ça va quoi? Oula, JP? Mais oui. Mais qu'est-ce que tu fous au commissariat? Mais c'est t'inquiète, je suis pas méchant, c'est pour autre chose. D'accord, très bien. Je dis pas, Homer, c'est des dinosaures. Homer, c'est des putains de dinosaures. Des triceratops, ce triceratops. Ils sont en voie de disparition. Réveille-toi, la coquille. T'as vraiment lancé un live, espèce d'enculé, va. Oh, attends, faut que je me lave le visage. Ah, oh, j'ai les yeux rouges, putain. Est-ce que j'ai sorti ma vidéo du 18h, moi? Ah ouais. Putain, je me suis plongé dans un sommeil. Oh, regardez ma nouvelle dégaine. Je suis habillé, j'ai plus de trous. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la surprise au capitaine. On va voir s'il va le remarquer ou pas. On va débarquer au poste de police. On va voir si ça lui a tapé à l'œil ou... On va voir. Hop là, bonsoir. Vous m'avez reconnu? Ouais, Landers. Mais alors là, attends, Landers, c'était super classe. Par contre, on va parler de toi maintenant. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait, mon capitaine? Je suis désolé d'être arrivé en retard, je suis désolé. Non, c'est pas le fait que tu sois venu en retard. Landers, tu me rends ta plaque, tu me rends tout. Tu dégages de ce commissariat. Quoi? Tu me rends tout ça et tu prends tes affaires, tu me rends aussi le double de l'appartement. Mais je suis désolé d'être arrivé en retard, mon capitaine. Je suis désolé, je vous demande pardon. Tu me rends tout ça, Landers. Non, je déconne, espèce de con, va. Putain, vous êtes vraiment capitaine. Putain, j'ai failli pleurer par contre. Hein. La tombe de mon père, c'est vraiment pas. Oh, t'as failli pleurer. Là, j'ai failli pleurer en plus. C'est un jeu et j'ai failli pleurer. Vous m'avez fait peur. Mais pourquoi vous m'avez fait cette blague? En quel honneur? En l'honneur, t'en fais pas. Hein. Vous avez rien remarqué sur moi? Ta tenue? Oui. Attends, laisse-moi regarder bien. Ouais. Il y a plus aucun trou, mon capitaine. Regardez derrière mes manches. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Aucun trou. Alors là, tu vois, Lander, tu fais de sacrés efforts. Hein. Oui, je suis trop beau. Bon. En plus, la petite montre, hein. Là, tu vas gérer Landers, hein. Ouais. Tu vas clairement gérer. Quoi? Et attendez, regardez-moi bien. Pas là, t'es beau comme une Ferrari. Vous avez vu, j'ai fait des efforts. Ouais, bah t'as fait des efforts surtout pour les meufs, hein. Je me demande ce qu'il y a dans ta tête, hein. Est-ce qu'il y a un cerveau ou il y a un skeg? J'ai pris le temps de me lever tôt ce matin et faire un peu de shopping, en sachant que j'étais pas en service, donc voilà. Vous êtes ici pourquoi? J'ai vu que vous avez un badge. Oui. D'accord, vous êtes stagiaire? Non, du tout. Je travaille ici, sergent-chef. Ah, mes respects, sergent-chef. Moi, je suis cadet. Cadet, d'accord, très bien. C'est quoi votre matricule, à vous? Code 78, mon nom, Marc Landers. D'accord, bien pris. Enchanté, Morgan Kennedy. Waouh, enchanté, Morgan Kennedy. Matricule 15. Votre nom vous va à ravir. Eh ben, vous ne l'avez jamais dit, mais merci. Ça fait longtemps que vous êtes dans le jargon, comme on dit dans le métier. Ouais, ça fait un bout de temps. J'ai eu un assez gros accident, on va dire, et j'ai dû prendre des vacances, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. D'accord. Vous comptez évoluer dans la police ou rester au même stat? Disons qu'avant j'étais au FIB et que là, je suis retrouvée à travailler avec la LSPD, donc... Mais bon, je compte évoluer, et vous? Vous comptez évoluer? Bah, pour l'instant, disons que je suis sur les ailes du capitaine. Donc, il m'aide à évoluer et à développer mes performances. Mais je compte rentrer d'ici très prochainement, rentrer dans la SWAT. Dans le SWAT, d'accord, très bien. Bah, c'est bien, c'est un beau projet. C'est un beau projet, il faut bien évoluer, madame. Moi, je suis dans la DOA, donc je gère tout ce qui est drogue. D'accord, chose que j'ai jamais entendue. La DOA. Ah, la DOA, la GU, c'est pour les gangs, la DOA, c'est pour la drogue, le SWAT. On a aussi la brigade héliportée, motorisée. Ah, mon capitaine. Bah, il s'est réveillé. Pour l'extérieur, je crois que ça profite, hein. Ben, on fait connaissance. Allez, va. Capitaine, respect. Donc, je vous laisse avec madame. Non, c'est bon, on a fini. D'accord, ok, très bien. Merci à vous. Capitaine? Tu l'as niqué ou quoi? Mais j'ai rien fait, mon capitaine. Ouais. Tu t'améliores un peu, hein. Y'a quoi? C'est une surprise. Oh! Ok, mon capitaine. Pouvez-vous présenter votre matricule, s'il vous plaît? C'est la commandante, Landers, hein. Oula, pardon, je m'écarte. Bah, écoute bien, et toi? Landers, je te présente Hanson, on a fait l'école de police ensemble. Vous pouvez me répéter le prénom? Hanson. Hanson, ok, très bien, enchanté, Hanson. Enchanté. Et du coup, vous êtes monsieur... Monsieur Marc Landers, et matricule code 78. D'accord, super, très bien. Alors, t'as une belle équipe, Lenny, il me paraît. Et puis super, voilà. Puis après, on va se boire un coup. 57 coup les unités, vous faites tout simple. Ah, la NC, voix, par contre, oh là là, elle est anesthésiante. Bon, bah, du coup, ta surprise, elle va attendre un peu. Pas de problème, mon capitaine. Madame passe avant la surprise. Et vous, Colanders?
Bah super. Et Landers, écoute-moi bien, tu me sors t'as le barreau. Ah non, prends tes lunettes, tu te les casses. Ah non mon capitaine, j'en ai rien fait, je reste à carreau, hein. Vous avez pu l'entendre. T'as un sacré jeu de mots de merde, hein. Carreau, barreau, t'as un jeu de mots qui est pas mal, mais qui fait que c'est de la merde. Mon capitaine, voyons. On va où là mon capitaine? Non, fais pas pour ça, laisse-moi tout gérer. Mais ramène-toi. Donc là je pars en patrouille, je sais pas où ce qui va m'amener le capitaine. Bon, du coup t'as bien réussi avec toutes les meufs que t'essayes de pécho, t'as bien réussi à en pécho une quand même. Ah mon capitaine, les succès c'est comme mon avenir, ils sont toujours ouais. Néants, ils sont toujours néants. Donc ouais, t'as rien en fait. Exactement mon capitaine. Ah c'est pas grave, t'inquiète, hein, tu peux assumer, même moi j'ai rien. Mon capitaine. Vous voulez pas me donner l'indice là? Bah t'as ton indice devant. Et ramène-toi. Premium de luxe motosport. Alors si je me trompe pas, alors c'est j'ai soit affaire à Ashley, soit à Lola. À Lola. Bonjour Lola. Dites-moi, est-ce qu'on vous auriez la carte du catalogue par hasard pour les véhicules? Oui, bien sûr. Regardez sur votre application de votre téléphone. On peut juste voir à quoi ressemblent les véhicules. Oui, bien sûr. Vous pouvez aller voir le catalogue. Bah on vous tient au jus, on arrive. Il veut s'offrir une voiture, le capitaine. C'est cool. Mais il faut pas qu'il oublie qu'on est en service là. Bon, Landers, tu vois là-bas, c'est marqueur qui a été fait par les concessionnaires. Tu me choisis une bagnole qui vaut pas plus de les 80 000 $. Très bien, mon capitaine. Il faut que je la choisisse? Ouais, j'ai besoin de tes goûts, c'est pour moi. D'accord, 80 000 $, ok. Faut qu'on regarde à peu près à quoi ressemble, hein. Oh, ça c'est bien ça. Oh, ça aussi c'est bien. Je prends quoi, moi? Je prends une Smart? Je prends ça là? Connexion interrupted. Reconnexion to server. Ça veut dire quoi? Dites-moi, oui, mademoiselle monsieur. Lola, vous avez toujours une exemplaire en stock? À 75 000 $, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est toujours en stock, monsieur. Vous prenez des chèques ou pas? Ou il vous faut vraiment un liquide? Carte bancaire, ça me suffit. Ok, parfait, ben, ça me suffit. Okay. Pourquoi il veut acheter une voiture, lui? Est-ce que vous... Et vous, monsieur, vous voulez un véhicule? Oula, moi, non, moi, je suis juste là pour regarder, hein. Moi, j'ai pas les moyens. Et vous êtes responsable de ce concessionnaire? Oui. Je sais même pas pourquoi il va acheter une voiture. Alors, Big Mac? Tout le monde a la classe, hein, tout le monde va acheter une voiture, tout le monde va acheter ci, tout le monde va acheter ça. Il va te payer une voiture. Vous avez dit, monsieur les agents? Non, je pense pas, non. Bonne journée. Merci, vous aussi. Espèce de... El famoso escroc. Pardon? Répétez s'il vous plaît. Vous allez bien monsieur Landers? Je vous vois un peu, comment dire, un peu tendu. Non mais justement, espèce 2? Ah non, j'ai dit espèce de voleur au monsieur derrière là. Ah. Escroc. Ah oui, j'ai dit escroc au monsieur derrière. D'accord, excusez-moi, autant ouais, pour moi. Ouais, c'est bon, je suis là, Brian. Tiens Landers. De quoi? Oui mon capitaine, 2 secondes. Qu'est-ce qu'il vous plaît, monsieur, si vous pouvez vous décaler s'il vous plaît. Monsieur Landers, va falloir que tu signes des papiers s'il te plaît. Venez avec moi. Un justificatif de 2 personnes. Oui, je suis là. Mais vous parlez à mon capitaine ou vous parlez à moi? À toi. Vous, monsieur, si vous pouvez signer le petit papier là qui est sur le bureau, je vous ai donné les clés du véhicule. Faut que tu me dises ce que t'en penses, Landers. Ah, elle est belle. On dirait limite une Porsche, elle est trop belle. Elle est vraiment super belle, je la trouve vraiment super belle. Est-ce que vous pouvez marquer MK78? MK78, vous pourrez tester les clés du véhicule pour voir si ça fonctionne parfaitement. Ouais, vous en faites pas, on va faire ça. Ok. Et, il va me repasser les clés, puis on va y aller. Bah, bonne journée à vous, et puis je vous dis à bientôt. De même, bon courage, madame. Merci, au revoir. Bon, oh, bah voilà, t'as mon cadeau, c'est ta bagnole. Quoi? C'est la mienne? Ouais. Non, c'est une blague. Bah vas-y, si je te passe les clés, t'es con ou quoi? T'inquiète, c'est à toi. Mon capitaine, c'est une blague? Non, c'est t'inquiète, je te dis. Waouh! Mon capitaine, un grand merci, j'aime beaucoup cette voiture. Ah bah parfait, au moins en plus elle est 4 places, alors comme ça t'auras tout. Waouh, la chance que j'ai! Waouh! T'aimes bien? Mais j'aime beaucoup! J'aime trop! Bah voilà, parfait. Waouh! On va au commissariat, mon capitaine? Ouais, allons-y. Waouh, je suis trop content de ma bagnole. Elle a deux pots d'échappement derrière, là. Et elle fait un joli bruit. Bon, au moins, t'auras ton véhicule, t'auras 4 places, tu sais quoi faire. Et puis au moins, t'auras pas besoin de prendre quelqu'un avec toi. Enfin, t'auras pas besoin d'appeler quelqu'un pour le truc. Exactement, mon capitaine. Tiens, tu peux même... Aïe, n'arrive pas. T'as garé bien. La dame juste là me dit qu'il y a des zombies qui ont essayé de l'attaquer. Est-ce qu'on a des informations concernant des zombies? Des ah bah, zombies? Enfin, vous m'écoutez, hein. Comment ça, des zombies? Mais ça, c'est dans les films, travail, ça. Madame. Non, il y a un zombie qui est venu, qui a essayé de me manger la cervelle. Mais non, c'est des films. C'est des films, ça, mademoiselle. Allez, circulez, s'il vous plaît. Mais je m'en parle, vraiment. Nous sommes pas dans des films de science-fiction, voyons. Il y a un zombie qui a essayé de me manger le cerveau. Mon capitaine, devrions-nous prendre cette histoire au sérieux? Des zombies, non. Mais hier, il y a manière, j'étais là, moi, des zombies. Bon, écoutez-moi. La vie de ma mère, alors, c'est vrai. Alors, écoutez-moi. Vous êtes sûr que vous n'avez pas fumé? Alors, écoutez-moi. Voilà, exactement. Mère, c'est soit vous circulez, ou soit je vous embarque directement au commissariat. Vous allez voir, ça va vous faire tout drôle. Ok, moi je veux pas. Bon, très bien. Regardez-moi bien. Je vous le ferai pas 2 fois. Hein. Coucou, y a-t-il des zombies? Venez me manger. Tu vas voir quand il va te crever le cerveau s'il n'y a pas de zombies. Venez me voir. Descendez du véhicule, mademoiselle. Mon capitaine, elle a trompe d'uriner. Mon cap.
elle est en train d'uriner. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mon capitaine. Regardez. Oh putain, homme. Vous m'écoutez pas, il y a un putain de zombie en ville. Et on va tous mourir à cause de ça. Ok, tu baisses le nom, s'il te plaît. Non, vous allez me mettre en prison là, bah, pour combien de temps? Sur le capot d'un véhicule de police, déjà ça peut vous coûter de la prison. Allez hop, dans la cage. Bonjour. Bonjour. Oui. Du coup, je viens me faire un recensement, comme mon collègue il a dit. Je savais pas qu'il fallait le faire, alors du coup, je viens le faire. Mais un recensement de quoi? Bah, c'est pour la carte d'identité. On m'a dit qu'il fallait que je passe à la police l'affaire. D'accord, très bien. Mon capitaine, je pense que ça c'est pour vous. Pas sûr de se reprendre. Madame, vous mettez contre le tableau là-bas. Vous êtes nouvelle dans la ville? Je suis là depuis un mois, mais oui, ouais. Et vous êtes nouvelle du coup? Oui, ça. On va y aller. Oui. Désolé, je suis un peu bavarde. Je suis autant bavard que vous inquiétez pas. Je peux vous poser une petite question? Oui, dites-moi. Vous aimez bien les tours en hélicoptère? Alors, je dois vous avouer que ça fait partie de mes rêves à faire, mais j'ai jamais eu l'occasion. D'avoir conduit des hélicoptères? Ah, pas pour l'instant, mais ça viendra. Allez. Ça doit pas être du tout repos d'être policier. Hein, et si vous avez pas envie que je vous mette le menotte, faut vous tenir à carreau. Ah, vous en faites pas. Anders, tu prends ton appareil photo. Est-ce que c'est bon comme ça? Allez-y, mon capitaine. Prenez-nous une photo ensemble. Non, je rigole, mon capitaine, je rigole. Il est drôle. C'est toi qui vas prendre la photo, surtout. Faudra juste enlever vos lunettes, s'il vous plaît. Oh. Putain, mais elle, mon gars, je te la porte. Regarde-moi en photo. Penche contre le mur, mon pote, et... mon capitaine, excusez-moi, oui, du coup, ne bougez plus, ne bougez plus. D'accord. Faites-moi confiance. Vous avez des beaux yeux. Wow, merci beaucoup. vous avez des très beaux cheveux. Voilà, ça c'était ma deuxième photo. Ok, parfait. Du coup, j'ai rien à faire de plus, je ne reçois pas le papier. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, et puis bonne chance, et puis bonne chance pour votre apprentissage, du coup. Ça vous dérange pas si je vous raccompagne? Non, avec plaisir. Non, ok, très bien, mon capitaine. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est bordel. Quoi de merci, bordel. Oh, mais mon capitaine. Mais mon capitaine. Ça se reproduira plus, promis. Écoutez, nos chemins se séparent ici. Si vous avez le moindre problème, question, vous pouvez revenir ici au commissariat. Moi, je suis disponible tous les soirs de 21h jusqu'à minuit. Et c'est quoi votre nom, du coup? Je m'appelle Mark Landers. Mark Landers, ok, d'accord, je note. Mais dépêche-toi, Landers. Oui, à bientôt. Oui, bonne soirée, du coup. Et puis, bonne soirée, Mark. Ouais, à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Espèce de bandeur. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, bonjour, monsieur. Oh, Marc, ça va ou quoi? Oula, JP? Mais oui. Mais qu'est-ce que tu fous au commissariat? Mais t'inquiète, je suis pas méchant, c'est pour autre chose. D'accord, ouais. Très bien. Par contre, s'il vous plaît, levez-vous pour parler au capitaine, s'il vous plaît. Je suis venu avec monsieur le JP. La réputation de la police, c'est pas très jolie, hein. On aimerait faire la collaboration avec vous pour faire le petit reportage et montrer à la population comment vous êtes très gentil et montrer le quotidien de vos efforts. Quoi? Demain soir, c'est... Ouh, on peut faire l'autre date? Bon, après-demain, comme vous. Ce serait plus première partie de soirée ou deuxième partie de soirée, vous, monsieur? Bon, je pense à la première partie, ça serait bien. Mais je sais pas, mon ami... Pardon, excuse-moi. Oh. Je vous demande pardon. Putain, demande Marc. Ouais. Monsieur, s'il vous plaît, vos mains. Je vous ouvre la porte. Merci, hein. Vous m'avez même pas dit merci. Heureusement, vous êtes là. Je suis là justement pour vous protéger et vous servir. Sale pendeur. Il a dit quoi en face? Non, il a dit on va aller tout de suite récupérer notre voiture, mademoiselle. Ok, parfait. Sale pendeur. On entend pas trop, il est en train de marmonner devant là. Non, mais le capitaine, des fois, il a des problèmes d'audition. Il parle tout seul. Il parle tout seul. Montez derrière? Oui. Vous allez pas monter sur mes genoux, voyons. Eh, dites-moi, madame, il vous a déjà raconté l'histoire du cigare? Mon capitaine! Vous voulez dire, on vient seulement de se rencontrer, quoi. Bon, mon capitaine, je vous promets que j'arrête mes bêtises. Ah, j'ai 410. Attends, j'en... Deux secondes. On arrive. Oh là, comment je vais faire? Ne bougez pas, restez ici. Oui, mon capitaine. Et t'as intérêt à me les rendre, hein. Je vois que t'as envie de te la faire. Tu dis que c'était 1500$ à toi. Très bien, mon capitaine. Prends ça, t'es putain. Mademoiselle, alors. Racontez-moi un peu votre situation. Vous n'avez pas d'argent, c'est bien ça? Je n'ai pas encore reçu mon salaire de la semaine. D'accord, ok. Vous travaillez dans quoi, sans indiscrétion? Je suis vigneronne. Ah, d'accord, ok, très bien. Ok. C'est pas une bad mine. Non, y a pas le problème. Alors, tenez. Je vais vous faire une petite fleur, d'accord? Oh. Vous avez reçu 1500$. Oh, merci beaucoup. Libérez-vous de voiture et puis voilà. Attendez, ne partez pas. Tenez une rose. Merci beaucoup, moi. Ah merde! Non, pardon! Oh, merci. Ah, excusez-moi, je suis délié des prix. Excusez-moi. Tenez, c'est pour vous remercier. C'est l'une des meilleures bouteilles qu'on produit justement à la vigne. Eh bah écoutez, vous tombez pas plus mal. Je suis un grand fanatique de vin, un grand connaisseur de vin. Sérieux? Écoutez, à l'occasion, je vous ferai goûter
quel livre qu'on produit, si vous voulez. Avec grand plaisir. On pourrait s'échanger nos coordonnées, enfin nos numéros. Oui, bah écoutez, oui, vas-y, allez-y. D'accord. Vous avez de quoi noter ? Donnez-moi les trois derniers chiffres. 4, 3, 7. D'accord. Et rappelez-moi votre prénom. Et moi, c'est... Bah, vous pouvez m'appeler Queen, c'est mon surnom. Queen ? Oui. Oh putain, c'est une salle de masochisme. Alors, 4, 3, 7, c'est ça ? Oui, c'est ça. La ok, c'est, bah, c'est noté. Martinders. Bon courage à vous, en tout cas, pour la fin de service. Merci beaucoup. Bon courage, au revoir. Tu as vraiment appelé Queen ? Bah, elle s'appelle Queen. Une capitaine, elle s'appelle Queen. Une capitaine, elle s'appelle Queen. Une capitaine, vous m'entendez ? Je t'entends. Qu'est-ce qui va pas ? Non, rien, ça va. En tout cas, aujourd'hui, ça a été une journée, on va dire, pas mal mouvementée, mon capitaine. Comme le fait que tu me dois maintenant 1500$. Oui, ça, je sais. Depuis que vous m'avez porté sur votre aile, bougez pas, mon capitaine, bougez pas. Qu'est-ce que tu... Il y avait un lapin, mon capitaine, je suis désolé, pardon, excuse-moi. Tout va bien. C'est un lapin. Pourquoi t'as tiré sur le lapin? On sait jamais, ils sont peut-être atteints, je sais. Des triceratops, des triceratops. Des triceratops, des triceratops. Aujourd'hui, je m'insulte des mères. Mères.